Notre MRC, riche de sa diversité. Une centaine d'étudiants internationaux ont été reçus à la Maison de la culture pour leur arrivée dans la région. Une activité d'intégration organisée par la Ville de Rivière-du-Loup en collaboration avec le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup, le CFP Pavillon de l'avenir et le Cégep de Rivière-du-Loup. Ils ont fait un rallye dans la ville, ce qui leur a permis de découvrir, de façon un peu encadrée aussi, les organismes. À la fin de tout ça, mais là, on fait une belle petite soirée 5 à 7 là, pour vraiment les accueillir officiellement. C'est extraordinaire comme concept. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte de plus à Rivière-du-Loup, aux gens qui y habitent? Mais la richesse et la langue et la culture, l'échange, les amitiés. Il y a des personnes qui vont tomber en amour, il y a des personnes qui vont faire des amitiés, qui vont durer toute leur vie, il y a des personnes probablement de Rivière-du-Loup qui vont finir par partir découvrir le pays des autres personnes. C'est extraordinaire là, comme échange, les entreprises, les organismes, les autres étudiants. Depuis que le Cégep et le Pavillon de l'avenir de Rivière-du-Loup accueillent des étudiants à l'international, plusieurs activités sont organisées dans le but de favoriser leur intégration. Chaque année, c'est surtout qu'on s'améliore, on essaie d'offrir plus de choses, plus d'encadrement. Nous avons une équipe formidable, le CERIS qui s'occupe de nos étudiants internationaux. Nous avons aussi le conseiller à la vie étudiante, puis la technicienne en loisirs aussi, qui est beaucoup, beaucoup présente avec les étudiants aussi. Il y a toute une équipe, là. Je répète encore, c'est une famille. Un concept grandement apprécié des étudiants étrangers qui ont choisi notre belle région comme lieu d'études. Je suis très rapidement familiarisé avec les gens qui sont sur place, même si je ne connaissais personne au début. Les gens sont super sympas, j'ai aucun souci. En plus, l'endroit est superbe, très vert par rapport à chez nous. C'est une ville très calme pour les études. Je pense que le milieu, c'est un milieu qui est bon. C'est une super ville, hyper chaleureuse. J'ai l'impression d'être une grande famille, donc c'est hyper agréable. Je pense que ça va bien se passer. Les profs sont super, super intéressants, super à l'écoute. Donc s'il y a un problème, on n'aura pas... Spécialement parce qu'ils sont là pour nous qu'il n'y a aucun souci. Donc je pense que l'année ici se passera bien.